Eric le retour, l'homme fort. Eric le retour, le king. Ma fille, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi vous voyez tous les films comme ça? Il y a quoi? Oui. Tu vas mourir? Oui. Arrête ça. Jeunesse 2022-2023, pourquoi vous êtes ambitieux comme ça? Tu vas mourir, une petite fille comme toi, il y a quoi? Il y a quoi? Excuse-moi. Descends d'abord. Descends. Descends. Non, descends. Une belle fille comme ça, tout ton avenir est défendu. Non, descends. Non, assieds-toi. Tu prends la corde avant de te sur la chèvre pour te mourir avec. Non, ça va. Hein, souffle. Il y a quoi? Le problème, c'est quoi? Respire. Ok. Tu as pleuré jusqu'à là. C'est comme si. C'est quoi? Tu as un problème d'argent. Ton père est mort. Ta famille s'est brûlée. Non. Tu as perdu ton enfant. Non. C'est quoi donc? Pourquoi tu mets les organes comme ça? Attends, il y a quoi? Une personne a abusé de toi. Oui. C'est pas possible. Non, calme-toi. Respire. Non, ça va. Ne meurs pas. On va gérer. Attends, explique-moi clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai un ami là qui vient là et voulait qu'on parle un peu du business là et je sais pas. On va pas déranger. Non, il n'y a pas de souci. Okay. Tes amis sont libres de venir ici comme ils veulent quand ils veulent. D'accord. Donc, t'as pas de problème. Ok. De toute façon, tes amis sont mes amis. Ta famille, c'est ma famille. Comme je t'ai dit, moi, je t'aime et je fais ma vie avec toi. Donc, je te soutiendrai dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu veux faire. Moi, je serai toujours là pour toi. Okay. Dans même ta famille, tout le monde, je suis là. C'est devenu ma famille. Tu vas même voir, non? Quelle belle rencontre, ton père va l'appeler papa. Ta mère, c'est ma mère, c'est comme ça. D'accord, j'aime ça. J'aime t'entendre parler comme ça. Ok. Non, toi, ça va. Ah, ça va. Tout se passe bien dans le boulot. On se bat, on se bat. Et quand tu emmènes à ton ami ici, là, ça veut dire que c'est un gros business. Non, c'est juste qu'on doit seulement poser des... Il y a un truc qu'on voulait lancer là et je pense que c'est la meilleure façon de trouver du machin pour causer avec lui. Donc, mieux de lui faire venir ici à la maison. Oui, tu essaies de le mettre en confiance. Voilà. Okay. Et on ne peut pas faire ça là-bas, lui, forcément. Il va falloir que toi-même tu sois aussi là. Abandon, je suis inclus dans le business là. Donc j'ai mon pourcentage alors. On va voir, peut-être que toi aussi tu auras quand même quelque chose à faire là-bas déjà. D'accord. Là, elle peut dans la paix dedans. Et qui vient? Oui, allô gars. Oui, ça dit quoi là? Oui, s'il te plaît, coupe-moi là à la maison. Coupe-moi à la maison. D'accord, ok. D'accord, pas de soucis. S'il te plaît, ne craigne pas. Hein? Ok. Et regarde, tu vois, ça te fait bien. Il y a les émojis directement quand tu veux faire une photo, regarde. Ah.
fille. Ta mère est Dali. Et congratulations. Ouais, encore là. Hey, Aboubakar. Oui. Tu vas là? Oui, ça va, ça va. Ok, venez là, c'est fini. Bonjour, madame. Là, c'est madame. C'est ta femme, hein? Oui, c'est madame avant. Mais la dernière fois que j'étais venu ici, elle n'était pas avec toi. Non, bon, peut-être avec toi quand j'étais sorti. Là, c'est mon ami, donc, que des parents ont vécu là. C'est lui qui a fait donc. Venu pour les appeler là. Oui, oui. Hey. Excusez-moi, on m'appelle un peu là. Je vais un peu juste. On n'est pas bouillé là, regardez. Caro. Caro. Donc c'est ta nouvelle maison ici. Et le problème c'est quoi? Donc c'est pour lui que tu m'as quitté. Tu ne savais pas qu'Abouaka c'est mon ami? Je demande que Patrick, il y a quelque chose qui ne donne pas chez toi. La dernière fois que tes mains s'est séparée, c'est pas parce que tu m'as trompé. Maintenant tu dis que c'est moi qui t'a quitté. Tu sais que tout va bien chez toi. Et tu me quittes, c'est mon ami que tu viens voir. Tu ne savais pas que c'était mon ami. C'est pas toi qui m'as chassé de je chez dis, toi. Je dis, hey, arrête-moi ça. De toutes les façons. Il faut déjà me remercier parce que je n'ai pas fait en sorte qu'il sache que toi et moi se connaissons. Hein? Donc n'essaye pas de faire comme si tu as trop les nerfs. Tu sais. Écoute-moi bien. Tu connais très bien que tu es ma femme. Je suis ta femme. Mais dis bien que tu es ma femme. Et alors là, comment c'est? Je ne discute ça avec personne. Ça fait un an qu'on s'est séparés, n'est-ce pas? Et je subitement, je deviens encore ta femme. Non, tu dois comprendre que si depuis les un an, moi je reste tranquille, c'est parce que je me dis que tu vas retrouver la maison et que tu vas revenir. Donc, attends. Donc, comme ça, bonne année, elle est jamais. Je vais cramper avec ma meilleure amie et je vais trouver la raison. Si tu veux. De toute façon, toi et moi, c'était une erreur. C'était une erreur, cette relation. Une erreur, notre relation. Tu sais quoi? J'ai dit, tu dois déjà remercier Dieu parce que je n'ai pas fait en sorte que ton gars sache que toi et moi, on se connaît. Hein? Tu suis bien. Tu suis bien ce que j'ai dit. Si tu veux bien qu'il revienne là. Je lui raconte tout. Pardon, papa, c'est quoi? C'est comment ça? Oui, tu es dans le luxe, non? Tu es dans le luxe. Tu t'assois sur les meubles bien. C'est pas tu es à l'aise. De chez toi. Tu es à l'aise. Hein? De toutes les façons, mais pour moi, cette relation a pris fin le jour où tu m'as comparé à ma meilleure amie. Donc ça te regrette. Ça ne me concerne même pas. C'est ça que tu racontes là. Caro, écoute-moi. Je sais que tu m'aimes encore. Je sais que quand tu me vois, ton corps vibre encore. Laisse les petits bruits que tu fais. Moi, je ne suis pas contre le fait que tu sois avec lui. Mais tu dois comprendre que moi, j'ai encore besoin de toi. Patrick, j'ai besoin de moi. Quand tu ne me crompes pas avec ma meilleure amie, tu n'avais pas besoin de moi. Je te rappelle que ça fait un an que toi et moi nous sommes séparés. Un an. Tes choses, ou c'est la sorcellerie, ou c'est la malchance. Pardon. De toutes les façons, c'est à toi de choisir. Après, quand je vais partir, il faudrait bien qu'on se voit. C'est vrai que moi, je t'ai trompé avec ta meilleure copine. Mais tu vas comprendre que là où je suis encore là, je t'aime. Je t'aime toujours et tu es la femme de ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. J'espère que tu en comprends. D'accord. Ok. Oh, monsieur Patrick. Oui. Ah, ça se passe bien, ouais. Ah, on se bat. Ok, oui, chérie, ça va? Ok. En fait, c'est, je te fais venir pour. Il y a un marché qui est gagné là. Et je voulais que. Je ne voulais pas travailler quand même avec une personne que je ne connais pas. Il va falloir qu'on parle ça devant même madame. Oui. Donc, c'est pas si tu as des machins à parler. Non, je t'ai dit que j'ai toute une équipe. En ce qui concerne la maçonnerie, le bâtiment, j'ai toute une équipe pour ça. D'accord. Même actuellement où je suis en train de travailler, de causer avec toi, mes petits sont en train de travailler. Non. J'ai plusieurs chantiers que je contrôle. Ok. Ça, c'est un business qu'on doit gérer là. Ah bon, c'est un truc pressé alors. Oui. Tu as dit qu'il s'agit de quoi concrètement? C'est juste c'est le pont, le marché d'un pont là qui est gagné. On va construire un pont. Oui. D'accord. Ça marche, il n'y a pas de problème. Si. D'accord. Merci de me faire confiance. Hein. Ok. C'est la famille déjà. C'est déjà la famille. Vraiment. Ok. Vous voulez que madame soit aussi au courant avec qui elle travaille? Parce que c'est le pourquoi qu'elle t'a appelé ici à la maison pour que madame
doit aussi te connaître. Ah oui, 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 oui. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Hein? Lorsqu'on fait des affaires, il faut des témoins. Voilà. En tout cas, je ne vais pas tarder, hein, monsieur Abouaka. Ok, bon. Je vais partir. Hein? Ah, ouais. On va donc clôturer au téléphone. Ok. Ah. Bonne soirée alors. Ok, d'accord. Au téléphone alors. Ok, merci. Merci. Au téléphone, c'est là. Chérie, ça va? Oui, ça va. Jésus? D'accord. Là, tu vois que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Et j'aimerais toujours fonctionner comme ça avec mes amis. Je ne peux pas quand même travailler avec eux sans qu'ils ne connaissent que qui est ma femme. Je pense que on va se faire comme ça. Allô? Oui, allô? Bonsoir, qui est Jonah? Oui, bonsoir, c'est Patrick. Patrick qui? Je dis que c'est Patrick. Je ne peux quand même pas avoir mon numéro. Mais j'ai toujours ton numéro, non? C'est tout ton prof. Ok, tu me veux quoi? Je veux te voir, chérie. Tu veux me voir pourquoi? Par rapport à toi qui? Je veux te voir, je veux te voir. Tu dois comprendre que je t'aime. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. C'est pas la société, toi, Patrick. C'est comment? Tu dois comprendre ça. Tu dis, hein? Patrick, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Je ne veux rien écouter. Moi et toi, c'est terminé depuis longtemps. Laisse-moi. Rien n'est terminé entre toi et moi. Nous sommes. Un couple, hein? Tu es ma femme, tu es la femme de ma vie. Je t'assure, je ne peux pas vivre sans toi. Est-ce que tu me suis? Et ce couple avec toi depuis quand, Patrick? C'est la magie. Caro, j'ai dit que je veux te voir, j'ai la raison. Et si tu ne veux pas venir, je t'assure que je vais balancer nos nuls à ton gars. Non. À la maison. Non, quoi? J'ai dit que je vais balancer nos nuls à ton gars. Patrick, donc tu as gardé les vieilles vidéos depuis les années là? Oui, bien sûr. C'est depuis sa condition. Depuis sa condition, pourquoi pas? Que tu es un condamné. C'est comment? Tu viens ou tu ne viens pas. Eh, Patrick, pardon, efface cette vidéo là, pardon. Tu viens ou tu ne viens pas. J'ai dit que je t'attends à la maison. Je viens de rentrer du boulot. Ok, j'arrive. Tu as pris l'inutile de prendre la meilleure décision de ta vie. Tu viens, tu arrives chez moi, tu boudes seulement. Je t'ai trouvé dehors, non. Donc, on peut entrer alors. Entrer pour aller où? T'en prie, Patrick, efface les vidéos là. Efface les vidéos comment? Toi, tu fais comment pour te revoir les vidéos depuis des années? Écoute-moi, Caro, je t'ai déjà dit que les vidéos que tu vois là, on appelle ça pièce à conviction. Si ce n'était pas les vidéos là, tu devais venir ici. Est-ce que tu devais venir? Pardon, efface alors. Je ne peux pas effacer les vidéos. Parce que je sais que c'est cette vidéo-là qui va te pousser à rester avec moi. Tu aimes ton gars, n'est-ce pas? Oui. Oui. Toi et moi, on doit continuer à sortir ensemble. Attends, tu veux qu'il continue à sortir avec toi alors que je suis déjà avec une autre personne, en plus ton ami, quelqu'un avec qui tu vas travailler. Caro, tu ne comprends pas que je t'aime. Tu m'aimes que... Tu ne comprends pas que je t'aime. Hein? Je t'aime. Je t'aime, Caro. J'ai besoin de toi. Hein? Pourquoi, Patrick? Écoute, l'amour l'a recommencé quand? Recommencer, ce n'était jamais fini. Hein? Regarde-moi dans les yeux. Tu ne vois pas l'amour? Parce que papa ne m'aime plus. Arrête de m'aimer, je t'en prie. Je suis fou de toi. Mais c'est même parce que quand je pense à toi, ça me rend bête. Je perds le contrôle. C'est même parce que tu m'as vu avec une autre personne que Caro, tu viens dire que tu es amoureux de moi. Écoute-moi très bien. Je vois que tu n'as pas encore décidé. Et que tu ne connais pas l'impact de ces vidéos dans ton foyer. Hein? Je te donne 4 jours. Je dis bien 4 jours pour mieux réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir afin de te décider
quand est-ce que toi et moi on va continuer à vivre comme mari et femme? Je ne veux pas que tu viennes vers moi. Reste là où tu es. Mais tu vas devoir nous gérer à deux. Sans que ça ne crée des problèmes à personne. Tu as 4 jours pour réfléchir. J'en ai terminé. Patrick, c'est ton dernier mot. J'ai fini. Si tu t'es décidé, on peut entrer. Entrer où? Chez moi, bien sûr. Parce que tu m'envoies avec quelqu'un d'autre que tu es subitement. 4 jours pour revenir. Afin que toi et moi commence à fonctionner normalement comme mari et femme. Et Justine dans? Justine, c'est des histoires anciennes. Hein? Entre elle et moi, il n'y a rien de sérieux. Toi, tu es ma femme. Caro, tu es ma femme. C'est toi que je veux. Oui. Prends la meilleure décision, hein. Caro, moi je te dis, il faut dire la vérité à ton gars. Elle dit quoi? Elle dit quoi qu'il faut dire la vérité? Il faut dire quelle vérité? Et si maintenant elle n'a pas dit la vérité là-bas, tu fais comment? Myriam, elle doit dire la vérité. Il faut laisser les gens avec les histoires de vérité là. Qu'elle se prouve que lui-même, il respecte la vérité. Attends, je te dis, dans une relation, quand il y a la vérité, les bases, donc les vraies bases dans une relation, non, Caro, c'est la vérité. Parce que quand tu dis la vérité à ton gars, même s'il voulait se fâcher à quel point, tu vois un peu, non, il va rester comme ça, il va réfléchir, il va dire que oui, la fille est venue quand même me dire la vérité. Moi, je opte que tu ailles dire la vérité. Va dire ça à l'église là-bas que tu aimes la vérité. Maman, je te dis, hein, mieux tu gardes d'abord. Tu vois jusqu'où ton ex là va t'amener. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a changé. Non, je ne suis pas d'accord, Myriam. Ton ex là ne t'assèle pas. Si, quelqu'un qui t'assèle à tout moment, à mais chaque fois. Parce qu'il l'aime. Regarde comment elle est Christ. Mais c'est parce qu'elle est avec Christ. Non, non, c'est pas question de Christ. Comment quelqu'un ne t'aime? Tu ne peux pas dire ça. Il faut dire la vérité à Boubaka, ma chérie. Parce que tu dis la vérité au gars là, tu vas voir que c'est toi qui vas gagner. Comme l'autre là est en train de t'asseler, il va même t'aider à le faire partir. Toi, tu dis que ne dis pas la vérité. Et tu connais aussi que Aboubaka, c'est un gars croit comme ça. Si c'est qu'il découvre que je suis sorti avec son ami ou bien quelqu'un qui me connaît, il peut aussi prendre une décision radicale. Il ne peut pas. Quand la relation a commencé, n'est-ce pas? Il n'a pas cherché à connaître avec qui tu es sorti avant. Maman, prends-le calmement. Explique-lui la situation. Explique-lui la situation du début jusqu'à la fin. Et après quoi? Bébé, ça s'est passé comme ça, comme ça. Je te dis, si le gars là t'aime, non. Tu vas voir et s'il ne l'aime pas? Il l'aime. Et s'il décide de l'abandonner? Il ne peut pas l'abandonner. Ah bon, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Tu me poses la question, n'est pas ça fait 6 mois, non? Voilà. 6 mois, ça fait le mariage. Quel mariage? Mais tu ne sais pas qu'à plus de 6 mois, la femme porte plainte à l'homme. N'est-ce pas, elle? Tu ne savais pas ça? Non, c'est tout le monde qui respecte ça. Maman, et ne respecte pas, nous on respecte les codes de pénalité. Si il faut même que tu donnes le seulement pour qu'il efface même la vidéo. Fais tout ce que tu veux, maman. Il te dit bien, fais tout ce que tu veux, mais ne dis pas la vérité. Alors laissez les gens avec ça. Et ta compagne veut ta meilleure amie, non? Justine, non? Tu as oublié, maman? Tu l'as aimée, non? Caro, si tu veux bien vivre dans cette vie, non? Il faut être croix. Soit ça casse, soit ça passe. J'ai une question. Dis ta vérité au gars, là. J'ai une question. Ne l'écoute pas. Non, maintenant, moi, je suis devenue la mauvaise. Tu as toujours dit comme ça. Non, il y a les choses. Toi-même, tu es une fille. Si tu te recoupes comme ça là dans l'embarras de choses, tu vas faire comment? J'ai choisi la bonne personne. La bonne personne, c'est qui pour toi? C'est de dire la vérité à Aboubaka. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour Aboubaka. Moi, je suis contre ça. Ça va, ne vous discutez plus. C'est quand même toujours mauvais qu'elle connaît trop. On veut dire qu'on connaît, j'accepte. Il y a les faits, il y a déjà les faits là. Il y a les faits, non. Qui souffre dans ça. Il y a les faits, non. C'est toi qui souffres. C'est toi qui connais là où il y a ton cœur. C'est toi qui connais ce que tu veux. Avant bout, non. Maman, si tu m'aimes en tant que copine là, comme soeur là, non. Va, tu dis la vérité à vous. Prends même la vidéo là. Tu lui dis que c'est la vidéo qui a fait les années. Il est en train de faire ça juste pour faire le chantage. Dis la vérité moi, à ton gars et tu vas voir. Quand tu vas dire, il va te laisser tomber. Il va te dire qu'il ne croit pas. Et ne mise pas. Il va te dire qu'il ne croit pas, que c'est qu'est-ce que tu as maman fait va ça et que c'est fini. Si ça se gâte, non, viens me voir, maman, je vais l'arranger. Ah bon, si ça se gâte, viens me voir, même s'il faut qu'elle paye à vous, je vais payer pour que ça s'arrête. Va dire la vérité. Dis ce que j'avais à te dire. Ah, laisse donc ça. Si tu as les oreilles, écoute. Laisse-nous ça. J'ai laissé. Caro? Patrick?
Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu défailles. Patrick, Aboubakar n'est pas là. Tu veux quoi? Je sais qu'il n'est pas là. Il est au travail, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu veux? Sors d'ici. On sort, on va t'en. Si je n'ai pas là. Reste là. Patrick, c'est comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, Patrick, sors d'ici. C'est qui? Reste là. Ne bouge pas. C'est comment avec ton bâton? C'est comment? Moi, je ne peux pas. Laisse-moi craquer. Tu es ma femme. Je suis ta femme. C'est comme cette personne. Je suis ta femme. Déjà. Je suis femme. Tu ne me fais pas un bisou. Je sais que tu as aimé. Ok. On reste en contact. Ce garçon, il est mal intentionné. Bon, tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'au suicide. Hein? Tu sais, je sais, il a blessé ta personne. Mais est-ce que tu me fais confiance que je puisse essayer de gérer ça? Tu sais, si tu meurs là maintenant, tu seras une personne qui va rester dans la nature, il sera impuni. Fais-moi confiance, tu sais quoi? Allez, lève-toi. Tu connais là? Hein? Tu connais là? Tu as envoyé son numéro. Le numéro par lequel tu as appelé. Tu connais sa maison? Mais ça, c'est un détail. Allons. Allons, lève-toi. Lève-toi, ma mère. Oh non, tu mens. Tu as fait quoi dans la vie? Tu as parti à Paris. Tu es arrivé aux États-Unis. Laisse. On va filer le type là. Allons. Quoi? Laisse le banc. Ça, c'est le mauvais problème. Ne fais plus jamais ça. Faut que les gens voient l'intention là. On n'est pas en Europe ici où les gens ont les tours, les problèmes. On va se suicider. On part. Ma mère, laisse. Une belle fille comme ça, tu vas nous laisser comme c'est comment? Oh. Mais tu ne peux pas vouloir mettre pas ta vie comme ça. Calme-toi. C'est un détail. C'est lui qui l'a vu. Voilà. Celui-ci. C'est lui. Mon petit. Tu me connais. C'est toi qui as voulu abuser de cette femme. Non. Tu as abusé d'elle. Vrai ou faux? Hein? Petit. Fais ta dernière prière. Tu me connais bien, non? Tu me connais bien, non? Hein? Tu es encore debout? Hein? À genoux! Qu'est-ce que tu veux le soir? Tu as quoi? Je suis épileptique, grand. Tu es épileptique? Hein? Grand. Là où tu vas, l'homme, fais ta dernière prière. Fais ta dernière prière, petit! Grand, ah, je vais te faire ce que tu veux faire. Grand, pardon. Petit frère. Pardon. Hey! Tu connais l'homme, c'est là? Grand, je vais m'expliquer au commissariat. Ça, je finis comme ça. On part à la brigade, grand. Pardon. On finit à la brigade. Pardon. Petit frère. Pardon, grand. L'acte que tu as posé, non. C'est pas à la brigade. À la brigade, c'est très facile. On ne va rien te faire, petit. Pardon. Tu sais quoi? Faut pas que tu meurs étant beau. Tu vois un peu, non? Faut quand même qu'on enlève les choses qui ne te servent à rien. Hein? Tu veux jouer? Non. Tu me connais, non? Je préfère la brigade, grand. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu lui, non? Dis-lui que tu es ma femme, non? Je suis ta femme. Je suis ta femme. C'est ta femme maintenant. C'est ta femme. C'était ma femme, grand. C'était ma femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était ma femme. C'était là-bas. Ça s'est passé comment? Pourquoi ça arrive que tu. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Grand, je l'ai violé. Attends, toi, tu connais que tu l'as violé. Bon, la sentence, donc, pour les hommes qui veulent les femmes, c'est quoi? La brigade. Quelle brigade? Quelle brigade? La brigade est loin, je vais finir avec toi ici. Grand, pardon, grand. Tu sais pardon. Que j'habite au quartier. Moi-même, je sais. Non, grand, je te connais. Je connais de quoi tu es, qui est capable, grand, pardon. Voilà. C'est que non. Il te blesse une fois. Hey, grand. Laisse-moi rentrer en prison. Grand, pardon, grand. Je ne savais pas que. Je savais pas que c'était ta soeur, grand. Tu ne savais pas que c'est ma soeur. Je ne savais pas. Grand. Je ne connais pas la fille, c'est la vérité, c'est ça. Mais toi, non. Grand. Tu mérites la mort. Grand, je ne savais pas qu'elle avait un retour comme toi. Hein?
Pardon, grand, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi-même, je ne connais pas comment c'est arrivé. Pardon, grand. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qui me passait par la tête. Pardon, grand. Pardon, je te demande pardon. Pardon, grand. Pardon. Tu connais quand même que tu as mal. Je connais, grand, je reconnais que j'aime. J'ai fait ce qui n'était pas. Pardon, grand. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardon. Donc, on fait ça simple. Grand, on fait ça simple, grand. Oui, simple. Simple, oui, oui. Tu es quand même là, apparemment, tu as un peu compris. Donc, comme il y a une brigade ici en haut, hein, on monte doucement. Hein, tu marches à mon rythme. Si jamais tu as l'intention de courir, un pied, on arrive, tu auras un pied limite. Lève-toi. Dépêche-toi. C'est quelle histoire? C'est quelle? Marche là-bas, c'est quelle histoire ça? Hein? C'est le spectacle que tu peux faire ça? Hein? Qu'est-ce que tu as pris? Marche!